que c'est triste, Venise. Venise, très content de revenir à Venise, 6 ans après ma première venue. À l'époque, je jouais pas au poker. Et le casino est magnifique. Je n'étais jamais venu dans ce casino. Il est magnifique. Je suis arrivé hier soir très tard. J'ai rejoint tous mes coéquipiers à l'hôtel. Et belle coiffure. Et on est très ravis de jouer ici. Et on vient d'arriver. Je viens de jouer la première main, je viens de passer paire de 4. Et on va essayer d'observer. J'ai une table très difficile. J'ai Annette, j'ai Chadbron, j'ai Iversen, je crois qu'il s'appelle Iversen. C'est un très bon joueur au siège 5. On va patienter quelques temps et on va essayer de placer des attaques. D'après, j'ai eu quelques conseils de mes coéquipiers hier soir. Ils m'ont dit que ce tournoi était à ma portée en début de tournoi parce qu'il y a beaucoup de qualifiés italiens et il paraît que mon jeu pourrait s'adapter comme il faut. Bon, on refait un truc tout à l'heure. C'est Patrick, alors, très belle étape à Venise. Ah, c'est magnifique, ouais. Vraiment, on est à la fois très loin du monde du poker et à la fois dans l'univers du jeu qui rappellerait même le jeu au vrai sens du terme, le jeu du 15e siècle, dans ce décor somptueux. Voilà, c'est une très jolie tentative en tout cas. Et on joint vraiment l'utile à l'agréable. D'être le présentateur officiel du World Poker Tour en France et de jouer à la fois dans le sport d'arriver en TF et de se commenter. Ça serait bien, justement. Ça serait très très bien de pouvoir enfin être intransigeant avec moi-même, pouvoir me massacrer en direct. En tout cas, écoute, on va essayer de s'amuser, prendre du plaisir. Et puis, pour une fois, si on se fait sortir, c'est pas terrible parce qu'on se retrouve quand même dans la rue. Et la rue est belle. Bon, je vous passerai te voir plus tard. Ok, à tout à l'heure. Merci.